Bonjour. J'aimerais vous parler aujourd'hui du psaume 115. Le psaume 115 expose la grandeur de Dieu face aux idoles des nations païennes qui entourent le royaume de Dieu. Le texte invite le peuple à louer son Dieu, bon et fidèle, qui est aussi son secours et son bouclier. Voilà à peu près la trame de ce psaume. Le monde de l'époque de ce psaume, où il a été écrit, ressemble au nôtre aujourd'hui. Et ces paroles, elles sont pour nous toujours d'actualité. Dès le premier verset, l'auteur nous place dans l'humilité devant la grandeur du Créateur. Verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Le deuxième verset est une question, et le troisième, c'est la réponse à la question. Verset 2. Pourquoi les nations diraient-elles « Où est leur Dieu ?» Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. À cette époque, les païens vénéraient leur Dieu sous la forme de statues qu'ils fabriquaient eux-mêmes, et ils ne voyaient pas le Dieu d'Israël, ce Dieu omniprésent qui se tient au ciel, au-dessus de tout. Contrairement aux idoles qu'il fallait porter là où on veut et à qui on fait dire ce qu'on veut, notre Dieu, lui, il fait ce qu'il veut. Il est le véritable souverain. À partir du verset 4 jusqu'au verset 7, l'auteur décrit les idoles dont il se moque. Verset 4. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Autrement dit, ces idoles, elles sont mortes. Elles ne portent aucune vie en elles. Elles sont comme des cadavres. L'auteur ajoute au verset 8, « Il leur ressemble, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » On pourrait comparer ces idoles aux religions d'aujourd'hui, dans lesquelles on ne trouve aucune vie. Non seulement la religion ne permet pas à celui qui la pratique de s'approcher de Dieu, mais elle éloigne ceux qui voudraient s'approcher de Dieu. En effet, quand vous parlez de notre Dieu à quelqu'un qui semble chercher la vérité, la personne, elle va vous répondre « Non, la religion, ça ne m'intéresse pas. » En fait, on leur parle de Dieu, mais eux, tout de suite, pensent à la religion. La religion, en se substituant à Dieu, dégoûte les gens. Quelqu'un a dit « La religion est un vaccin contre Dieu. » Tout comme les idoles, la religion est une invention de l'homme, ce n'est pas Dieu qui l'a voulu. C'est donc l'homme qui organise sa pratique par des rites, par des traditions, par toutes sortes de programmes. Mais notre Dieu ne s'inclut pas dans un programme. On ne programme pas Dieu. Comme l'affirme le psalmiste, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Ainsi comme les fabricants d'idoles ressemblent à l'ouvrage de leurs mains, les religieux engendrent la mort spirituelle. Le moteur et le point commun de toute religion, c'est l'humanisme, qui écarte la possibilité d'agir de Dieu et valorise les efforts humains réalisant des bonnes actions. Notre société a besoin de héros autonomes qui accomplissent des exploits sans l'aide de Dieu, avec leur propre force, avec leur propre volonté. Le mot « Dieu » a disparu des conversations, des médias, de tout. Notre monde s'est débarrassé de Dieu. L'humanisme l'a remplacé et entraîne progressivement l'ensemble des courants religieux vers un œcuménisme à l'échelle planétaire.
Voici la suite du psaume, du verset 9 au verset 16, qui encourage le peuple de Dieu à louer et proclamer son Dieu. Verset 9. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Revenons un peu au verset 2. La question, pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? C'est une bonne question que pourraient se poser aujourd'hui les gens qui ne connaissent pas Dieu. Pourquoi les chrétiens ont-ils une telle assurance, une telle espérance, une telle conviction de leur salut? Où est leur Dieu? Et que fait-il dans leur vie pour qu'ils soient animés d'une telle foi et qu'ils chantent avec autant de ferveur? Pourquoi ne s'inquiètent-ils pas de l'avenir? Oui, notre Dieu est au ciel, mais il vit aussi en nous. Et il peut faire tout ce qu'il veut en nous et autour de nous, car il est merveilleux. Il est notre secours, il est notre bouclier. Le verset 17, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Effectivement, ce ne sont pas les morts spirituels qui célèbrent l'Éternel en récitant des prières. Et au verset 18 pour finir, « Mais nous, nous bénirons l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Louez l'Éternel.